Excusez-moi, jeune fille, mais sauriez-vous me dire dans quelle direction se trouve Bethléem? C'est par là. Regardez, nous voici à Bethléem. Cette fois, nous sommes arrivés, mon vieux cadichon. Eh ben, c'est pas trop tôt. Je commence à en avoir plein les sabots, moi. Allez, ne traînons pas. Les auberges doivent être déjà bien pleines. Recensez aujourd'hui pour être mieux contrôlés demain. Nous sommes tous concernés. Unissons-nous, revendiquons nos acquis sociaux. Messieurs, dames, manifestation demain pour nos libertés. Rendez-vous à 14h30 devant le Hérode Palace. Allez, circulez, messieurs, dames, circulez. Quelle agitation dans ces villes. Rendez-vous demain, tous unis contre la vie chère. Mais si, je te le dis, ils nous recensent aujourd'hui, mais c'est pour mieux nous confiner demain. Mon beau-frère, il connaît quelqu'un qui a pris un verre avec la femme du majordome du roi Hérode. Et arrête un peu avec tes théories complotistes, là. Bonjour, monsieur. Nous voudrions vous... Désolé, c'est complet. Excusez-moi, ma femme est enceinte et nous... C'est 150 sesterces par nuit et par personne. Bonjour, monsieur. Vous n'avez pas la carte d'adhérent, vous. Non. En plus, vous êtes pieds nus. Allez, dégagez. Ah, Marie, je suis vraiment désolé. Ne désespérons pas, Joseph. Salut, grand animal. Ça fait 3 heures qu'on tourne en rond, qu'on n'a pas mangé. Oh là là, je rêve d'un bon gros morceau de jambon. Tu saurais pas où on peut trouver ça? Eh, je n'en sais trop rien. Modération in omnibus, comme disent les Romains. De la modération en toute chose, petite Anne. Eh, il est à vous, Stan. Il nous empêche d'avancer. Ah oui, excusez-moi, monsieur. Viens, cadichon. En fait, ma femme ne va pas tarder à accoucher et nous n'avons pas d'endroit où passer la nuit. Ah, je peux vous conduire dans un endroit très convenable. C'est relativement bien entretenu et je peux vous le louer pour pas grand-chose. Ah, merci, monsieur. Je commençais à craindre le pire. Maître, maître, quelqu'un demande à vous voir. Qui est-ce? Des rois ou des mages? On n'a pas bien saisi. Eh bien, qu'ils entrent. Bonjour, monsieur. Nous avons fait un long périple pour suivre une étoile, et d'après nos calculs, elle indiquerait où va naître le roi des Juifs. Le roi des Juifs? Oui, en effet, il est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera porteur de mon peuple. Un chef? Vous m'avez l'air très au courant. Allez lui rendre hommage et revenez me dire où il se trouve, que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Oui, je crois que ces mages viennent de me donner une idée. Il était vraiment bizarre, ce roi Hérode. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Balthazar. Hé, les frères, ce soir, on va se caler au camping et on se fait une veillée au feu de bois, ça vous dit? Oui. Ouais. Messieurs, vous n'avez pas été très brillants jusqu'à présent. Je vais toutefois vous laisser une dernière chance. Suivez ces mages. Ils vous mèneront directement au Messie. Et tuez-le de vos propres mains. Eh ben, dis donc, c'est vachement grand chez toi. J'imagine que tu reçois pas tous les jours. Tu sais, petite Anne, dans la vie, il faut se contenter de ce qu'on a. On peut être très heureux avec très peu. Contentus suis rebus. Être content de son sort, voilà la plus grande richesse. Arrête de manger ça. Tu ne vois pas que c'est la couchette du petit, non? Oh, ça va, j'ai faim, moi. Michel, va chercher un peu de bois pour le feu. Ouais, j'y vais. Michel, ne porte pas la main sur l'enfant. Il est sacré et fils du Dieu vivant. Change ton cœur et va te prosterner devant lui. Et alors, Michel, où est le bois? Ah oui, j'y retourne. Hé, hey, frère, tu peux me prêter ta guitare, s'il te plaît? Ooh.
Merci d'avoir suivi nos aventures, hein. Nous croyons que ces vidéos peuvent vraiment aider à mieux transmettre l'évangile. Et on aimerait en faire vraiment beaucoup d'autres. Alors, en achetant sur JesusBox.fr, vous nous y aidez beaucoup, voilà. À très bientôt.